Salut à toutes et à toutes, on se retrouve pour l'épisode 7 de Pokéball Let's Go Pikachu. Alors, à ce que j'ai compris, il n'y a pas de vélo et il n'y a pas de chaussures de course sur ce jeu. Faut avoir un Pokémon sur lequel monter. Alors bon, le persien, vu que je le veux pas dans mon équipe, ça va être difficile d'aller plus vite en fait. Jusqu'à que j'ai un Pokémon au moins qui soit sous forme évoluée, parce que j'ai pas l'impression que les autres que j'ai, je peux monter dessus. Hein. Je vais essayer parce que j'ai pas essayé, mais I mean, Nidoking, si je peux pas monter sur lui, je pourrais... ou Dardania, t'imagines, je vais pas monter sur lui, ça va pas être possible que je monte sur lui, je pense, il peut pas supporter le poids du gamin. Tu vois? C'est bien, mais non, il va pas résister, lui. Melodelph, est-ce que ça pourra aller? Voilà, tu vois, ça sert pas à grand-chose, en fait. Allez, lui, tu pourrais monter sur son dos. Bon, d'accord, il est... Ok, bon, ben, visiblement, je peux pas faire plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller affronter des dresseurs. Voilà, là-bas, de manière, il y a la cave Topiqueur, là-bas. Hein, expliqué ici. Grotte Topiqueur. Voilà, simple, efficace, ça te dit c'est une grotte, point barre. Là-bas, il y a le coach, là, le coach. Tu sais quelle est la meilleure route? La route 11. Parce que qu'est-ce qui est mieux d'être numéro 1? Eh bien d'être deux fois numéro 1. Vas-y, allez. Carrément, il dit qu'il va nous écraser. Au moins, il ne fait pas dans la dentelle. On va voir si il a la prétention de ce qu'il affirme. Voilà, avec un ratata. Sérieux, tu dis que tu vas me battre et t'es un ratata merdique. Allez, double pied, hein. Après, double pied, ça fait 120. Ma chouille. Ah, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est 21. Bon. En plus, il baisse ma défense. Ah, ok. Bah, là, pique à sprint. Bah, moi, j'avais dit. Ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que double pied, là, c'est 60. Mais x 2, 120. Et pique à sprint, ça va être 112. Donc, normalement, ça veut dire que ça devrait prendre à peu près comme. Comme double pied, du coup. Voilà. Voilà, quand même, il fait mal. Hein. Bon, je pense que là, que ça va être bon. Pika! Voilà. Mais bon, si le Pikachu, déjà, contre un Ratata, il galère un peu, là. Ça va pas être fameux. Hein. Mais c'est vrai que Pikachu, il a pas forcément une grosse attaque ou quoi. Hein. Allez, comme je sais pas, je vais te donner un truc. 5 bonbons Pikachu. Tiens, c'est quoi ça, des bonbons Pikachu? Tiens, on va essayer, vas-y, c'est-à-dire que c'est des bonbons Pikachu, c'est spécial pour le doper. Bon, on va doper le Pikachu alors, hein, je veux dire, puisqu'on nous incite fortement à le faire. Toutes les stats, carrément. Ah, mais vas-y, ah, ben on va utiliser ça, hein. Voilà, voilà, là, comme je dis, on va... Je pense que je vais pas pouvoir le faire évoluer en Raichu, j'ai l'impression, mais bon. Parce que voilà, c'est-à-dire que c'est la contrepartie, c'est qu'il a tous ses objets, mais en contrepartie, il n'évoluera jamais. Bon, on va voir ce que ça donne quand même. Hein. Non, mais quand même, tu te dis, il est quand même un peu là. Voilà, le Pikachu. Voilà, c'est pas un Pikachu que je connais, hein. Allez, petit gamin, vas-y. On y va, mais triche pas. Pourquoi je vais tricher contre quelqu'un comme toi, en plus? Ça n'a aucun sens. Nidorino, oh, quand même. Ça va, Nidorino, ça va quand même. Bon, il est KO. Il est KO, mais ça va quand même. Ah, mais c'est pas vrai.
Haha, j'ai jamais perdu de ma vie. Ah ben, tu vas perdre aujourd'hui, alors. Il faut une première fois pour tout. Apprends une attaque intéressante, ça serait bien. Le Machoke. Voilà. Bon, qui va avoir le même sort. Quoique, peut-être que lui peut résister un peu mieux, je pense. À voir. Voilà. Non, mais il y a un truc que j'aime bien. C'est que là, la barre de vie des... quand tu bats quelqu'un ou quoi, va assez vite. Et ça, c'est bien. Là, parce que les gens qui se rappellent, si vous avez joué à Diamant et Perle. Mais la barre de vie, je crois que c'était une frame par seconde ou quoi. Mais c'était infect. T'imagines, t'as un Levenard, un Leufory. Le truc qui a 700 PV au niveau 100, tu l'affrontes et la barre de vie, elle va prendre 30 secondes à partir. Ah, tu te dis, c'est pas sérieux. Bon, je vais attraper lui, allez. Bon, je vais utiliser Pokéball, je vais utiliser des Pokéballs. Voilà, mais c'est vrai que va falloir peut-être lui balancer une baie. Voilà, bon là ça marche, ça va, c'est correct. Eh bien, vous avez attrapé Soporifique. Voilà. Tiens là, t'as quoi? T'as... Je vais dire, c'est quoi lui? C'est un ouvrier? Électricien, ouais. Attention, je pose des câbles. Ah bah, faut respecter, hein, parce que si tu mets les câbles mauvais, si tu le laisses pas faire son boulot, va arriver problème. Donc, faut toujours laisser les gens travailler. C'est très important, pour le respect et tout ça. Faut respecter les travailleurs, hein. Comme disaient certains, arrête de te gaver. Et laisse les artisans travailler. Voilà. Et ben là, il faut faire pareil. Il faut laisser le câbleur... L'électricien travaillait. Très important. Voilà, tu t'es pris un coup de jus, voilà, malheureusement, hein. Ça pardonne pas. L'énergie? Ah, ben voilà. L'énergie, ça s'économise. Hein. Ça va être la miniature de la vidéo, hein, je pense. Donc voilà. Donc là, voilà, très important. Hein, parce que sinon, tu auras l'électricité x10. Et personne veut l'électricité x10. Je suis plus fort que tous mes camarades. Sean. T'enlèves le H, ça fait con. Con, le marin veut se battre. Hein. Comme disaient certaines, on enlève le CCD Garcon. Et ben là, c'est con tout simplement. Hein. Mais bon. Voilà, le Ramalos. Un petit tonnerre qui va bien. Tonnerre, ça a 4, ça a 80, je crois, non? En gros, là, ça a 240. Donc, voilà. Ah, mon Pokémon n'est pas assez fort. Mes Pokémon sont enfin prêts à combattre. Allez. Bye bye le rondoudou. Retourne dormir au lieu de faire dormir les autres. Hein. Comme on dit, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Il va arrêter de nous emmerder. Hein.
C'est vrai que c'est là où je me dis que quand même le dessin animé, l'anime de Pokémon, il y a quand même une influence sur les trucs des fois parce que c'est vrai que quand tu regardes, c'est vrai qu'au Rondoudou, dans surtout la saison 1, c'était vraiment, il dormait. Et enfin, il chantait, il faisait dormir tout le monde. Et après, je crois que je sais plus s'ils avaient fait ça dans, tu sais, dans la fin de Soleil et Lune, où tu avais eu le Dodoala, tu sais, le Pokémon qui toujours est. En fait, qui dort toujours, mais qui est quand même éveillé d'une certaine manière. Parce que dans le jeu, sa capacité spéciale, c'est en fait hyper sommeil. C'est-à-dire que vu que il dort quasiment, tu peux pas lui infliger des altérations de statut. Et je crois que dans l'anime, ils avaient mis le rondoudou, tu sais. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis le rondoudou. J'ai cru qu'elle avait un R de la Team Rocket là. Oui, ils ont mis rondoudou et il essayait de le faire dormir et tout ça, mais il essayait de lui gribouiller, mais ça marchait pas. Donc il lui a mis la misère. Donc voilà. Bonjour, je suis l'assistant du professeur Chen. Oui? Non. Ah, désolé. Oh, que 26. Si tu veux la fonction juge, il faudra que tu captures au moins 30. Ah ben, je veux cette fonction, donc j'en attrape. Je voulais aller à l'avant-ville, mais un gros Pokémon est endormi en plein milieu du chemin. Impossible de passer. Bon, voilà, là. Ouais. Voilà, on va leur parler. C'est dur de donner, voilà. Ah, c'est comme les gosses, mais si tu veux donner, tu veux changer de nom toi-même, d'un point de vue, on va dire, au niveau de l'état civil, je crois que c'est 1500, 1500 euros, un truc comme ça. Il dort si paisiblement. Ah là là. Et c'est là où tu te dis c'est un jeu, mais en vrai tu pourrais passer, en vrai tu passerais. Voilà, pour les besoins du scénario, blabla, ben en vrai tu passes. T'arrives à passer d'une manière ou d'une autre, hein, faut arrêter les bêtises. Donc là, il y a qui encore à affronter? Il y en a quelques-uns, je crois. Voilà. Attends, là, il n'y a pas un objet là ici, parce qu'une pierre comme ça, des fois tu dis un objet. Voilà, il y a un rappel. Un super repousse. Mais à toi. Dans la vie, il y a des gagnants et des perdants. Tu appartiens à quelle catégorie, toi? Sentinou, le joueur, veut se battre. Donc j'aime bien avec cette tenue, on dirait plus, j'allais dire, un pratiquant d'arts martiaux plutôt qu'un joueur. Hein. Mais bon. Ils auraient pu lui mettre un truc de casino, tu vois, parce que ça, c'était le croupier avant, il disait ça. Ah ouais, 26 quand même. Ah ouais. Là, pour le coup, je suis surpris. Il va mettre tunnel. Pique. Oh, houhou, il a la trouille. Ah ben, je vais le battre, hein, alors. Un petit coup de boule. Non, mais là, je me disais 26. Ah, quand même, là, ça m'a surpris, dans le bon sens. Hein. Putain. Moi, je veux des trucs comme ça encore, hein, des trucs où ils sont en surlevel par rapport à moi. Là, moi, j'applaudis, hein. J'adhère à cette vision. Hein. Boniface le mécano. Je crois que j'ai entendu une fois ce nom. Je crois que c'est pas, hein, il s'appelle Pascal Boniface ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout, mais je crois que ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Magnéty. Il va prendre un double pied. Je vais dire, elle va prendre, mais Magnéty, c'est le seul Pokémon qui n'est pas de sexe. Tu te dis, comment ce truc peut avoir une teub ou un vagin? Tu te dis, ça n'a aucun sens en fait. Voltorb. Coup de boule, allez, appelle-le.
Non mais t'imagines l'autre il aurait eu un trio piqueur niveau 26. Là ça aurait pu être intéressant. Tu te ferais défoncer peut-être. Peut-être, hein. Non, je pense pas que je me serais défoncé puisque j'ai du Ortige, j'ai des Pokémon, voilà, j'ai quand même un Pokémon plante, je peux arriver à faire quelque chose. Mais ça aurait pu être intéressant, comme j'ai dit, hein. J'adhère au concept d'avoir des dresseurs, quelques dresseurs qui sont plus forts que toi. Parce que l'autre là, c'est le coach, mais le coach, il a un Pokémon qui est plus faible que, enfin, en niveau, que l'autre là-bas. Donc tu dis, est-ce que c'est sérieux ça? Gentleman, vas-y. Je n'ai encore jamais gagné. T'as celui qui a jamais perdu, t'as celui qui a jamais gagné. Bon, tu vas continuer à perdre là, je peux pas être plus catégorique en fait. Un Goupix. Donc un petit Pika Sprint, parce que lui il a un peu, il est plus fort en défense spéciale, Goupix. Voilà. J'aime bien trois soporifiques au même endroit là. C'est vraiment. Donc voilà, je crois que je les ai tous battus là du coup. Regarde, il y en a combien? 1, 2, 3. Là, il y en a 3, 4, 5, 6 parce qu'il y a la fille là-bas. Ah, monsieur Mime, attends, je vais l'attraper, lui. Oh là là. Allez. Viens ici, viens ici. C'était. Attends, parce que je me rappelle. Ah oui, attends. Là, ça va être un peu compliqué, je pense. Je pense que ça va être compliqué. Voilà. Bah, je vais utiliser une baie, là. Eh oui. En fait, tu le paralyses, j'allais dire, avec la baie. Ah, je pense que ça va pas marcher. Ah si, ça marche, c'est bien. Bon, je vais avoir plus de points comme je le rencontre. Parce que je sais pas, quand tu rencontres un Pokémon pour la première fois, est-ce que tu as plus de points? Nouveau Pokémon, ouais, t'as un bonus. Et s'il est plus gros, t'as encore un bonus. En fait, ouais, c'est ça, t'as des bonus en fonction de la taille et tout ça. On te dit que la taille, ça compte pas, mais si, ça compte en fait. Ça te permet d'avoir plus de choses. Voilà. Donc voilà, j'ai fait cette zone-là. Allez, je pense que je vais faire un peu l'océan, allez. Allez. Il est resté bloqué, lui. Est-ce que tu as un passier? As-tu le laissé passer? Il faut me montrer votre passe, jeune mousse. Vous montrez votre passe bateau. Parfait, bienvenue à bord. Oh, et félicitations, vous êtes notre 100e passager aujourd'hui. Ah, le coup du 100e, mais là, on va vraiment avoir quelque chose. Hein. Une tenue de marin. Voilà. Eh putain, c'est long. Je me rappelle dans les autres jeux, tu sais, dans les trucs, t'avançais, hop, t'étais direct là, c'est vraiment ouf. Ah ouais, quand même, là, il a de la gueule, le bateau. L'océan. Alors la question, c'est où est le camion? Hein? Voilà. Voilà. Et si vous avez surf, vous pouvez aller un peu plus. Voilà, l'océan. Alors, je dis que j'irai un peu. Bon, je pense que un peu, c'est ça.
Non, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici la vidéo parce que sinon ça va être un peu long. En tout cas, la prochaine fois, la vidéo sera beaucoup plus longue, ça c'est sûr. Parce que je ferai l'Océade, ça c'est clair. Elle sera faite en une fois. Et après, peut-être j'irai affronter le champion direct, je verrai, hein, bien sûr. Mais là, vidéo courte, hein. Vidéo, voilà, où j'ai affronté les dresseurs de la zone 11, de la route 11. Voilà, on a vu des choses intéressantes, on a vu des petites remarques. On a vu celui qui avait surtout le topiqueur niveau 26, quelque chose que j'ai trouvé intéressante. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de choses comme ça. Ça n'y était pas dans le jeu original. Je crois qu'il était niveau peut-être 21 ou un truc comme ça. Je trouve que c'est bien de mettre des Pokémon un peu en surlevel par rapport à nous. Mais qu'il en ait un ou deux, parce que nous, on a une équipe de 6. Donc bien sûr que si dans le jeu normal, j'aurais des Pokémon qui sont beaucoup plus élevés en niveau. Mais là, je trouve que c'était intéressant, tu vois. Donc fin de la vidéo, si vous l'avez aimé comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker. Ça vous permet de suivre l'aventure si vous activez la cloche. J'ai d'autres projets, donc restez sur la chaîne. Et si vous n'aimez pas, hein, au moins si vous avez le temps, dites-moi pourquoi, ce serait intéressant. Et si vous voulez rager, je vous dirai simplement d'aller vous faire... C'était Moïdra, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode de Pokémon Let's Go Pikachu.